Eh bien, salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour continuer notre aventure sur God of War Ragnarok. Et comme je le dis à chaque fois, je suis hyper impatient de continuer ce jeu en votre compagnie. Je suis hyper content de vous retrouver ce soir en ce vendredi 10 mars 2023. On va faire une petite soirée God of War. Histoire tout simplement de continuer le jeu. Et là, la hype est à son apogée tout simplement parce que, ben, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Nous sommes allés voir ces oracles avec Kratos qui nous ont affirmé que nous allions mourir car Heimdall allait attenter à la vie d'Atreus. Et tout simplement, ben Kratos ne pourrait pas s'empêcher d'essayer d'aller l'aider, ce qui le mènera à sa mort. Donc, on verra si cette prophétie, est correcte ou non. Je suis hyper impatient de voir la suite et de voir comment tout cela va se dérouler. Mais en tout cas, Kratos a l'air de dire que, ben, si Atreus est dans la merde, ben rien à foutre, hein, il va aller l'aider, ce qu'on peut comprendre, hein, en tant que père, Kratos se doit de protéger son enfant et c'est plus qu'un devoir, hein. Je pense qu'il veut bien sûr le faire, hein, parce qu'il aime son fils. Mais en tout cas, ça promet du lourd pour la suite. Et du coup, nous allons découvrir tout ça, ben, tout simplement, de suite. Donc, étant donné que Brock va de ce côté, nous allons aller de celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Si mes souvenirs sont bons, on va aller forger une arme qui serait justement ben, efficace face à Heimdall. Parce que lui, il est omniscient et il peut voir les choses. Ça sent le combat ici. Il peut voir justement tous les coups qu'on va faire à l'avance. Un peu comme un peu à la Naitai dans MHA. Et du coup, ben, tout simplement, il faut une arme qui permet de contrer ça. Donc je suis impatient de voir qu'est-ce que nous propose Brock comme arme qui nous permettrait de contrer ça. Mais du coup, on verra ça tout de suite. Donc là, ça sent le combat ici, hein. Ça m'étonnerait qu'on récupère juste un objet dans celui-là. Je pense qu'on va devoir se battre. Donc voilà, tout bon épisode de God of War commence avec un combat. J'espère que vous êtes ready. Oh putain, d'accord. Ça commence direct. Oh mon dieu. Les autres étaient presque morts en fait. Lui, il était presque mort. Tiens, voilà, ça c'est fait. Je vais m'occuper de lui, comme ça il nous embêtera pas. Ok, c'est bon. On peut s'occuper de lui maintenant. Voilà. Putain, elle a beaucoup de vie, hein. Et elle fait mal. Oh bordel! Oh putain! Ah! Est-ce que j'ai une pierre? Est-ce que j'ai une pierre, bordel? Je sais même pas si j'ai une pierre. Non, je voulais... Ah putain, ok, j'ai pas de pierre. Mais je voulais me soigner. Mais je me suis gouré de boutons. Bon. Du coup, là, j'ai toute ma vie. Ah ouais, donc je vais pas gaspiller la pierre. J'en ai une là et une là-bas. Comme ça, au moins, on sait. Ah putain, j'aurais pas dû esquiver à l'arrière. Derrière toi!
Oh putain, il m'enchaîne. Ok, maintenant on peut se concentrer sur elle. Oh putain, mais elle enchaîne. Ok. Oh, oh putain. C'est parti. Ok. Il faut que je me chope. Putain. Non. Putain, je vois pas la deuxième pierre. Ok, je l'ai perdu. J'ai perdu la deuxième pierre. On va être obligé de faire ça. Ça risque d'être compliqué. Putain, elle envoie du lourd, hein. Non, oui. Bordel, c'est étendu. Ah, putain. Ah là, sur la fin, je devais vraiment pas me faire toucher, mais ça s'est bien passé. Vegetable Chicken qui vient d'arriver sur le chat, salut, ça fait plaisir de te voir. Et Dalida qui vient d'arriver, également qui nous dit « Et Corbibou, ben, ça fait plaisir de te voir ». Merci d'être là, les amis. Tu les collectionnes ? Vraiment ? Sache que c'était comme ça quand nous l'avons trouvé. C'est ça, oui. Mais de quoi tu parles ? Ok, je comprends pas de quoi tu parles, Brock, désolé. Donc on a encore un truc à voir là-bas, apparemment. À moins que c'est juste le fait de rejoindre le chemin principal. C'est possible, ça. Sûrement que on venait de là. Oh, un cœur. Mais ça doit pas être... C'est pas un cœur orange, donc c'est peut-être pas... Ah si ! Si, 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 si ! Mimir, parle-moi de Yari. Après avoir quitté sa famille... 3 sur 4 ? Il parcourut les royaumes en quête d'une chose innommable. Mais, malgré tous ses voyages merveilleux, il n'était jamais satisfait. Jusqu'à... Il rencontra un autre vagabond cherchant la même chose que lui. L'innommable. Il s'appelait Sommel. Allons chercher le dernier ingrédient. Ah ouais, 3 sur 4, c'est bien ça. Ah ouais, donc on peut pas encore utiliser ça. T'es sûr que tu peux rien y faire, toi, Brock? Ah non, tu peux rien. Ok, mais il nous a dit de revenir plus tard, donc je pense qu'on peut rien y faire pour l'instant. Mais du coup, on doit aller par où, Brock? Parce que... Ah, toi, tu retournes là-bas. Ok, ça veut dire qu'on est encore dans une zone secondaire, je pense. Ah non, c'est par là qu'on est venu en fait.
On est venu par là. Il me semble. Waouh. La baleine. Mais donc, on est d'accord que si je continue dans ce sens, on est venu de là. Hein. Donc si je vais dans ce sens-là, on va... Ah oui, ben on est arrivé là. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que si on continue là, on va arriver là où on a commencé l'épisode. C'est ça. Prenez donc vos petits raccourcis. Comme si j'avais besoin de me dégourdir les jambes. C'est là qu'on a commencé l'épisode. Il me semble, ouais, il me semble que oui. Dalida qui nous dit « J'ai un pote franc-comtois, je sais pas ce que c'est franc-comtois, qui va en Suisse chaque vacances scolaires et il me raconte comment est l'accent suisse-allemand et leur langage. J'ai aussi peur que les natifs allemands. » Ah, Dalida qui nous dit que franc-comtois, c'est qui vient de Franche-Comté, d'accord. Ouais, l'accent suisse-allemand, faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher. Je me demande si ceux qui parlent le bon allemand, l'allemand de base, ils comprennent le suisse allemand. Je pense que ça doit être compliqué pour eux. Ah, salut vous. Et le troisième, il est allé où? Il s'est enfui? Il me semblait qu'il y avait un troisième. Dalida qui dit perso, moi non. Ouais, c'est chaud à comprendre. Hein. Je sais pas si on peut comparer ça entre le français et le français canadien. Mais c'est vrai que c'est des accents. Hein. Et puis, en fait, c'est au-delà d'un accent, c'est un dialecte différent. Donc, c'est encore plus compliqué. Oh, tu peux monter là, toi? Ah, moi aussi? Ah ouais, d'accord. On peut aller sur le toit. C'était une sorte de petite ferme. Ok. Un instant. Je l'ai presque. Voilà. Bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages et ça devrait bien se passer. Bonjour. J'ai beau avoir une tête à la hanche, une grosse hache et deux grandes lames, je ne vous veux pas de mal, je vous assure. Vous avez jamais vu une légende ou quoi? Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est son garde du corps. Oui, oui, je vous comprends, je vous comprends. En tout cas, continuez bien votre travail. Hein. Ouais, je viens de leur prendre leur sac juste devant eux. Hein, là, n'empêche. Ah, merci, c'est super gentil. Ah, tu viens de dire un truc super gentil, mec, c'est trop cool. Bah franchement, je le prends... Oh, ça sent pas bon, ça. Je le prends trop bien, merci, ça fait trop plaisir. Ça fait chaud au cœur, on va dire. Tu vois le problème, hein? Ces fichus yeux volants ont fait leur nez sur les câbles. Va falloir trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Ah, bordel. Oh, c'est joli. Détruire le repère de cauchemar. Ah, ça s'appelle les... des cauchemars, ces oiseaux volants dont tu parles. Descendra pas plus bas tant qu'on se sera pas occupé de ce nid. D'accord. Allez,
tâchons de nous rapprocher. Ok, on va déjà s'occuper de ce nid-là. Viens là, on va le régler. Ok. Mais est-ce que c'est... Ah, mais c'est eux qui ont fait des nids comme ça. Donc, ok, d'accord, je vois ce que c'est. Je pensais que c'était des gros oiseaux et tout, mais en fait, c'est juste ces sortes d'yeux qui volent. Bon, on dirait que cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. Non pas qu'on puisse l'atteindre. Et si tu commences à ramener ce portail, c'est mieux. On retrouve les vieilles mécaniques. Fouille à droite, à gauche. Il doit y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Oui, oui, t'inquiète. T'inquiète, Brock, je suis habitué à tout ça. Ah, alors est-ce que tu peux faire quelque chose, Brock ? Mon frère, as-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brock que de la tienne ? Ils avaient l'air surpris. Bon, j'ai plus qu'à tourner cette manivelle et boucher ce geyser. Donne-moi le signal dès que t'es prêt. Actionner la manivelle et boucher le geyser. Ok. Mais ouais, c'est bizarre ce que dit Mimir, parce que j'ai l'impression qu'il parlait que de moi, les autres nains. Maintenant. Tout de suite. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, il fait le jump à ma place de monter et descendre l'ascenseur. Ok, je comprends comment ça marche. Tourne encore. Ça marche. Pourquoi ça monte pas ? Ah ! Ok, donc apparemment le fait qu'il y avait la glace sur le premier geyser, ça posait problème, ok. Ah oui, parce qu'il y avait 7 manivelles, d'accord, je comprends. Je comprends. Regarde autour de toi, trouve un angle. Fais ton boulot, quoi. Oui, mais tu me laisses le temps, s'il te plaît. J'ai quand même le temps de regarder autour de moi. Ah bah j'en ai monté du coup. Moi je m'occupe de la manivelle. Toi tu te charges. Ah, prometteur. Vegetable Chicken qui dit le jeu est très beau, sérieux. Ouais, putain. Hein. À chaque fois qu'on regarde autour de nous, on est sur le cul. Hein. Le boulot sur les décors, mon dieu. Ça fait flipper. Encore une fois. Ça marche. Encore. La porte est ouverte. Traverse et dégage-moi ces câbles. Il nous faut une meilleure position. Allez, Brock, vite. Vegetable Chicken qui dit Pokémon n'a qu'à bien se tenir. Ah ouais, j'ai pas joué au dernier Pokémon, mais j'ai vu graphiquement, ça fait un peu peur, hein. Alors, du coup, on a celui-là qui est notre frappe puissante. Et celui-là, on voulait pas le mettre. Et puis celui-là. Ok. Marteler R2 pour augmenter nettement le nombre d'éruptions.
Kratos martèle le sol de ses deux lames pour générer de multiples explosions d'étincelles. Marteler R2 pour donner plus de coups. Ok. Donc là, si on compare les stats, on est à 4-4-1 et là on serait à 4-5 et 0. Mais franchement, c'est vrai que ce qui est le plus important pour moi, c'est quand même les dégâts et la brûlure, hein. L'étourdissement, ça ne m'intéresse que moyennement, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend contre quoi, quoi. Si c'est contre des petits ennemis, c'est moins intéressant d'avoir de l'étourdissement. Si c'est contre des boss, ben l'étourdissement c'est bien parce que si on remplit la jauge d'étourdissement, ben ça permet de leur faire une exécution qui ne les tue pas, mais qui leur fait beaucoup de dégâts. Mais après, bon, pour un point d'exécution, en fait on déplace le point d'exécution dans la brûl dans la enfin le point d'étourdissement dans la brûlure. Et franchement l'attaque est grave stylée, donc je pense que je vais la prendre, tenez. Je vais Et puis en plus, après, en améliorant, on peut en faire beaucoup plus au sol, donc c'est vraiment trop cool. Allez, on le prend. On le prend et on améliorera ça avec l'XP dès qu'on aura assez d'XP. 4 000 et 10 000, putain, par contre, c'est cher. C'est cher. Ah, maintenir L1 prolonge la salve de coups avec les deux lames. Ah, ça, je savais pas. Il faut que je maintienne R1. Ok. C'est bien que j'ai été voir alors ça. Ah, c'est cool, hein, ce qu'on a trouvé dans ce coffre, j'aime beaucoup. Qu'ils nous ont vus. Ah, salut. Enfin, on va pouvoir rejoindre la forge maintenant. Allez, la dame nous attend. J'ai Super. une autre devinette. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Ah, voyons voir. Quelque chose d'abstrait, je présume. L'appétit? Non, ça ne fonctionne pas. Ils vont perdre la tête. Oh, mais c'est qu'il est malin. Crétin. Plus vous en retirez, plus je grandis. Oh là là, ça va me rester dans la tête, ça faut que je trouve. Plus vous en retirez, plus je grandis. Putain, faut que j'y réfléchisse. Plus vous en retirez, plus je grandis. Ça ne marche pas avec le temps. Ça ne marche pas avec quoi que ce soit qui soit physique avec une masse, ça ne fonctionne pas. Putain. Eh, ça va me rester dans la tête, hein. Je réfléchis, mais je trouve pas. Plus vous en retirez, plus je grandis. Donc c'est la même chose, hein, les deux coups. Putain, c'est chaud. J'ai de la peine à trouver. Ah, je suis en pleine réflexion là. Plus vous en retirez, plus je grandis. Mais ça peut être deux choses différentes, du coup, non? Ah, je sais pas.
Espérons qu'il va le dire dans cette cinématique. Enfin, dans ce voyage en télécabine. Je vais en prendre un peu pour la dame. Et prendre quoi? Le vent? Non, idiot! Le son du vent! Comment? Observe et apprends! Tu vois, la magie naine est une magie de l'intangible. De relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre! Qu'y a-t-il à comprendre? Que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Ok. Incompréhensible, quoi. Un instant. Ça sent les ennuis. Ah, salut, toi. Hé, hey, Petzob! Qu'est-ce ah bah, que t'attends? On va pouvoir... Ici. Essayer notre nouvelle attaque. J'adorerais toujours les exécutions de ce jeu. Que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sindri a jamais voulu. Soit disant que j'étais trop rustre. Mais aujourd'hui, ça y est, enfin. Ouh, j'en ai l'oignon qui frétille. Eh bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si... respectueux. Serais-tu nerveux? Quoi? Tais-toi! Non, ferme-la! Ouah... avec la musique, les amis, le décor, incroyable. Oh, Vegetable Chicken qui nous dit « Je l'ai, Corbel ». Vas-y, vas-y, mon ami, illumine-nous de ton savoir. Tu as trouvé la solution à l'énigme. Je me demande si nous ne devrions pas nous rendre à l'arbre. Ouais, dès qu'on aura l'occasion, on y retournera. Selon moi, c'est un trou. Selon moi, c'est un trou. Donc, tu veux dire... plus on en retire, plus je grandis. Donc, plus on retire de trous, plus le trou grandit. Je sais pas. J'en sais rien. Dalida qui dit « J'adore les trous ». Sans commentaire. Plus on retire de la matière, plus le trou grandit. Ça se tient comme raisonnement. Plus on retire de matière, plus le vide grandit. Ça peut être une réponse qui se tient. Donc Brock qui a dit « Plus on en retire, plus je grandis. » Donc on lui répond « Plus on retire de matière, plus le vide grandit. Ça paraît bien. Hein. Franchement, ça paraît bien. Dalida qui dit, faut pas dire ça après ce que je viens de dire. Allez, Blanchette, tourne la manivelle. C'est parti. Wouah. On se croirait dans le bossu de Notre-Dame 2 avec... la cloche sous laquelle il faut aller. Ça ne marche pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Écarte-toi que j'y jette un œil. Oh, bon sang de bonsoir. Alors quoi? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville? J'ai besoin de 2-3 trucs. Suivez-moi. Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, je te dis. J'ai besoin que cette hache aille faire des papouilles à ce truc, là-bas. Ah. Un truc piquant et argenté. Ok, donc ça...
Ça, ce sera quelque chose à débloquer qu'on pourra faire. Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa bénédiction. Elle la donne pas à toutes les armes, mais celles qui y ont droit, de vraies merveilles. La hache? Ça, c'est un cas particulier qui a été un sacré foutoir. Je te raconterai peut-être une autre fois. Donc une fois qu'on saura faire ça, on pourra retourner à Midgard pour le faire sur les lieux où on avait vu. Mais il me semble pas qu'il y avait vraiment dans d'autres endroits que à Midgard, hein, si je me souviens bien. Bon, qu'est-ce que... J'essaye ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Brock ? Ah, ça ! Il faut que je te prenne ça ? Couper. Seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Maintenant, il me faudrait un peu de ce morceau de bronze-là, au milieu des bouts de bois. Ah, ça. À cette époque, je voulais tellement être le meilleur que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Mais, avec le temps... On ressent moins le besoin de faire ses preuves, et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles, comme impressionner la dame, par exemple. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat? C'était rapide. Je n'abandonne jamais. Plus vous en retirez, plus je grandis, c'est ça? C'est bien ça. Ah. Hein? Je l'ai. Le désir. Non. Comment ça, non? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire, on ne le désire que plus. Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ah, tu n'auras pas si facilement. Ah, donc en fait, ça joue pas ce qu'on a dit avec, avec toi, Max. Parce que ça doit être la même chose, du coup. Avant d'atteindre la forge. Plus on retire une chose, plus cette même chose grandit. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre. Ah ouais, ça rend le truc vachement dur, hein. Mais le désir était pas mal, mais ça joue pas. C'est vrai que si on retire notre désir, ben du coup on en a plus. Donc il l'a tourné comme étant si on retire ce que l'on désire, on le désire encore plus. Mais comme il l'a dit, c'est pas parfait, hein. Continuons à réfléchir. Vegetable Chicken qui demande... Ouais, donc c'est Max, hein, juste... j'ai dit Max avant, mais... pour ceux qui regardent la rediff, du coup, c'est Vegetable Chicken, c'est Max. Qui nous demande, mais il faut donner une réponse à la fin. Bah écoute, je pense pas, hein, je pense que c'est juste annexe, la discussion entre Mimir et Brock, mais moi, ça m'intéresse d'essayer de réfléchir avec eux. Mais ouais, c'est chaud... C'est chaud de trouver une réponse et c'est con. Parce que Brock, il a réussi clairement à faire ce qu'il voulait faire avec Mimir, mais avec moi, c'est que ça me tourne dans la tête. J'arrive pas à arrêter d'y penser. Max, il nous dit vraiment compliqué. Ouais, là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ça peut pas être le bonheur, parce que si on nous retire notre bonheur, ben on n'a pas davantage de bonheur. La tristesse, ça marche pas non plus. C'est dur, c'est dur. Donc on doit avoir notre arme qui est bénie par une sorte de divinité. Où est la forge? Elle arrive. Oh, une sirène. Je...
manque le dernier ingrédient. Le sang d'un dieu. Donne-lui ta main. Frétin, j'ai failli oublier. Madame, ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez de la bénir. Vous... Eh oh eh. C'était quoi, ça? Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels, mais à une partie de nos âmes. Plus précisément, une partie qui te fait peut-être défaut. Merde. Merde! Bordel, Sindri, ce fouille merde mythomane! Je le savais, je suis mort. Je suis mort de chez mort! Oh putain! C'est vrai qu'il la prend maintenant. Elle doit être bénie. Ouais, bah celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues. Elle doit être bénie par un grand forgeron. Quoi ? Oh là là. Non. Non, je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âme. La bénédiction ne vaudrait rien. Seul compte la nature d'une chose. Pas sa forme. D'accord. Puisse cette arme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son œuvre achevée. Ramener cette beauté à la maison avant de l'avoir emmenée danser. Regarde, on a des volontaires. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop stylé. Hey, tu voudrais pas essayer ta nouvelle lance par hasard? Avec plaisir, Brock. Et je vais d'ailleurs mettre sur pause pour que tu la fermes un moment. Parce que cette section de forgement de cette arme, j'ai trouvé ça vraiment... incroyable, vraiment c'était trop bien. Et du coup, ça nous fait une nouvelle arme avec laquelle jouer, c'est fou! C'est fou! Je me disais il me semble que j'en avais parlé au début du jeu, je me demande si on aura une nouvelle arme, mais ça me paraissait bizarre qu'on ait une troisième arme, ça fait beaucoup d'armes, mais du coup on en a une troisième, c'est juste incroyable, je me demande quel gameplay on aura avec ça. Et puis juste après, le fait que les sirènes doivent s'adresser justement à l'âme des personnes, et que Brock justement
n'a plus certaines parties de son âme du fait que Sindri l'a ressuscité, et ben j'ai trouvé que c'était super bien amené, la façon dont il le découvre, et puis la façon qu'a eu Kratos de réagir à ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, où le ben justement il s'en fout un peu de l'aspect mystique de la bénédiction, et je pense qu'il l'a plus fait pour remonter le moral à Brock, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et pour fêter ça, Flo a pris un abonnement de niveau 1 et c'est son 9e mois d'abonnement. Putain, merci beaucoup Flo, ça fait trop plaisir. Qui nous dit, voilà, il est là, comment ça va? Bah écoute, ça va super, merci beaucoup Flo, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je voulais juste revenir un peu sur ce qui s'est passé dans cette cinématique, mais ouais, vraiment trop stylé, et je suis impatient de tester cette lance pour voir ce que ça donne. Mais voilà, merci encore une fois énormément Flo pour ton abonnement, ça va droit au cœur, ça fait super plaisir. Bon alors, comment on la sort? Ah, c'est avec le bas. Trop cool comment on la sort avec la... Avec la bague. Donc, on a les coups normaux, on a les gros coups. Wow. Oh. Ah oui, et puis on en a une deuxième. Ok. Première arme d'un spartiate. Comment alors? C'est fou comme tu me retires les mots de la bouche. Ah, ça fait une sorte d'onde de choc. Ok. Et oui, bah forcément. La lance. Oh, incroyable, incroyable. Et le fait qu'on l'utilise... qu'on en crée plein, c'est juste génial. Mais ça, c'est vert, donc... Ok. Ok, donc c'est un bouclier qui peut se... se gérer avec toutes les armes. Ah, d'accord! On peut faire péter les lances! C'est passable pour toi! Ça suffira! Génial! M'a l'air plutôt adapté au combat. Génial! Et du coup... Et du coup, comme on voit en bas à gauche... On aura peut-être des attaques runiques faibles et puissantes avec cette lance. Et du coup, c'est trop stylé qu'il y ait des combos avec le fait qu'on peut en créer plein. Et du coup, ça rend le truc logique du fait que c'était avec le... Oui, mais putain, mais Brock, s'il te plaît, laisse-moi parler. Du coup, ça rend le truc logique avec le fait qu'on a forgé la lance avec l'anneau qui se démultipliait. Du coup, ça permet de faire plein de lances. C'est trop bien. Et du coup, j'ai bien compris comment ça marchait ce R2 là. Donc on charge et on fait une onde de choc. Une sorte de fusil à pompe quoi. Ok. Hop. Allez papa, un peu de grimpette. Écoute-moi bien. Merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Il n'avait pas à en décider. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage, Brock. Nous mourrons tous un jour. Pour certains, plus d'une fois. Eh ouais.
On doit finir de mettre la lance à l'épreuve. Allez, du nerf. En tout cas, vraiment... Vraiment génial ce passage de la forge, j'ai beaucoup apprécié. Maxime qui dit « Corbel, tu m'as pas salué !» Désolé Maxime, je t'ai pas vu passer dans le chat. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bah du coup, bienvenue dans le chat. Je pense que t'as dû arriver dans la cinématique, c'est pour ça que je t'ai pas vu passer. Dalida qui dit « Je crois que cette lance a un nom spécial, mais je me souviens plus du nom. » Mais ouais, c'est justement ça qui est trop cool, c'est que, ben, comme on l'a vu dans 300, hein, la lance, c'est vraiment l'arme des Spartiates. Donc c'est vrai que c'est logique de l'incorporer dans God of War avec Kratos qui est Spartiate, donc c'est vraiment cool. Ah. Cauchemar, flingo. Oula. Par les valseuses du Salut. Merde. Il m'a esquivé ce bâtard. Ah oui, il y a un nid. Il y en a même deux, putain. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Occupe-toi de ce nid, ou il va vite y avoir des yeux. Sur ta droite. Arrête de te relâcher et détruis-moi cette chose avant que d'autres saletés en sortent. Ah putain! Ouais, comme ça, ce sera plus simple peut-être. J'avais pas pensé à la lance, tiens, alors qu'on vient de la débloquer. C'est plus rapide que la hache. Mais du coup... Ah, voilà. Une lance sur ce genre de cible, et je te garantis que tu en verras très vite les effets. Je vais pouvoir faire un bel effet là. On va taper le sol, et puis du coup, la voie va s'ouvrir devant nous. C'est naturel, je crois. Si ça, c'est pas badass. On en retire. Ah, ce seraient les amis. Car plus le temps nous en enlève, plus ils prennent de la place dans nos souvenirs. Non, oublie. À voix haute, ça n'a pas le moindre sens. Ah, ça va nous hanter, hein. C'est une bonne journée. Ça va nous hanter. Il prend un malin plaisir, hein, à nous garder dans l'ignorance. Mais bon, je dois avouer que je fais parfois la même chose quand je pose des énigmes à des gens. Dalida qui nous dit c'est la lance antique. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je te crois sur parole, parce que je suis pas forcément calé. Bon, on va se remettre un peu de vie, hein. Ah voilà, du coup on va pouvoir le tester maintenant. Prêt pour ta prochaine leçon ? Est-ce que tu vois ce machin chose ? Essaye de trouver un angle convenable et fiche-y une lance. Ce machin qui est présent du coup dans le monde des nains, donc on pourra aussi y retourner. Tu vois ? Assez solide pour grimper, se balancer, tout ce qu'il te faut. Trop stylé, trop stylé. Ces petites chéries, t'es dit que t'es trop sur le côté. Ok, faut vraiment être en face, quoi. Bien. T'es peut-être pas si mauvais. Mmh.
Oh bordel. Oh d'accord. En voilà un. Ok. 1 sur 6. Oh, salut. Désolé, je ne voulais pas te faire peur loin de là. Ce n'est pas le cas. Je vois. Tu pourras le rapporter à Ratatosk dès que tu seras prêt. C'est quoi ça? Ah, ok, d'accord. Donc c'est la lance en elle-même. Un talon forgé par la dame. D'accord, donc ça c'est la... C'est la lance de base. Et là on a talon d'éléments en phase. Les attaques de lance contre des ennemis enflammés ou gelés infligent des dégâts supplémentaires. Mais ça change pas le design, hein, d'après ce que je vois. Ok, ben on va mettre ça du coup. Ah ouais, attaque runique rapide ou puissante, on en aura. On en aura. Ah si, ça change le bas! Ah ok, ça change le bas. D'accord. Ouais, alors on en aura. Putain, c'est trop cool! Trois armes! Bon, par contre, aller au-delà, je me demande si ce serait une bonne idée. Quoique, on a toujours la flèche la flèche directionnelle haut qui est libre. Mais ouais. Plus que 4, j'avoue, ce serait abusé. Mais jusqu'à 4, ça peut le faire, hein. Mais je pense pas. Je vous avoue que je doute qu'on ait une quatrième arme dans ce jeu. Peut-être dans le prochain. J'ai une dernière faveur à vous demander, tous les deux. Ensuite, on sera quitte. Ce qui s'est passé dans la forge avec la dame, il n'y a que moi qui peux le raconter, d'accord? D'accord. Oh, très bien. Oh. C'est gros lourd. Putain. Peut-être que ces mornes s'en occupent. Ça se fight. Oh bordel, ça se fight. Salut mon ami. Viens nous voir. On peut te parler. Je crois que tu vas pas faire long feu, mec. Ah putain, t'as un pote! C'est d'une violence, les amis, c'est d'une violence! Montre-moi ce que t'as! Ah! J'aurais pas dû ramasser ça maintenant! T'as pas des potes là? Allez viens! Il veut pas venir. Il veut pas venir. Bon bah on va s'occuper de toi déjà. Ensuite de ton pote. Allez! C'est génial! Occupe-toi du butin. Moi, je vais m'attaquer. Ah, une première attaque runique rapide, trop stylé. Alors, attaque de longue portée à la lance qui siphonne l'élément d'un ennemi. Qui siphonne l'élément d'un ennemi. Ah, d'accord, et après je fais des attaques, genre si j'attaque un ennemi de feu, je fais des attaques enflammées après. Trop bien. Alors, on va la mettre et on va améliorer nos attaques runiques. Est-ce qu'on améliore celle-là? Je vais attendre de voir ce que j'ai comme autre attaque runique, parce que... Parce que là, c'est... Attendez, c'est 4, 3, 2, et là, c'est 3, 5, ouais. Et ça, c'est...
Ok. Ah ça fait des brumes autour de nous. Qui font mal aux ennemis pendant longtemps. Ouais, écoutez, ça, je suis un peu perplexe pour le moment. Je vais voir ce qu'il en retourne. Je vais voir ce qu'il en retourne. Peut-être que je trouverai une autre attaque runique puissante qui me conviendra mieux. Ce qui est sûr, c'est que celle-là, je l'aime bien, donc je vais pouvoir l'améliorer. Tac, on l'améliore déjà comme ça. Ça, c'est sûr et certain que ça nous intéresse. Tout dégringole. Et ça servait à quelque chose? Ça servait à quoi? C'était pour le fun? Il y a un chemin plus court. D'accord. Et si nous laissions Brock parfaire ton équipement avant d'y aller? Ouais, ouais, regardons ce qu'il a à nous proposer. C'est une bonne lance. Ok, oui. Là, on a chance élevée d'obtenir un regain de santé à chaque coup réussi avec les compétences piège du serpent. Putain, j'oublie à chaque fois ce que c'est la compétence piège du serpent, hein, c'est abusé. Compétence piège du serpent, c'est pas le coup fort. Il est où le coup fort? Non, attendez. Ah oui, c'est le coup fort. Ouais, ok. On va descendre d'ici. Je ferais mieux de trouver. Et on peut le remplacer avec. La journée a été trop bonne. On a fabricable. Saisir un ennemi étourdi confère une grâce de renouvellement. Chance modérée à chaque lancer de précision réussie de faire une onde. Et. Ouais, non, alors on va garder celui qu'on a. Ensuite, les lames. On peut pas les améliorer. Saisir un ennemi étourdi confère un don de force. Les esquives offensives, chaos tournoyant et esquives incandescentes infligent plus de dégâts et de brûlures aux ennemis. Ok, ça, ça pourrait être à la limite intéressant, mais franchement, je préfère celui-là. Ouais, on va garder celui-là. La lance, on ne peut pas encore l'améliorer. Le bouclier, on ne peut pas encore non plus. L'armure. Ah oui, ça c'est ouf, hein, n'empêche, l'armure qu'on a, chance modérée à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique, de restaurer immédiatement 70% de son renouvellement. Ça c'est ouf. Donc on va l'améliorer parce que de toute façon, nous voulons l'améliorer. Ça va. Ensuite, protection avant-bras. Putain, il nous faut encore des lingots à ce gardien, hein. Mais on n'en a pas. Amulette, on peut réparer encore un nouveau emplacement d'amélioration. Objets spéciaux, enchantement. Je crois qu'on n'en a pas envie. Relique. On n'en a pas envie non plus. Accessoires. Mais ça... ça, c'est quand on a un allié. Et ça, j'en ai pas encore. Par contre, pierre de résurrection supérieure. Ça, c'est intéressant. Je peux pas l'acheter ? Ah, pierre de résurrection possédée. Ah, mais du coup, c'est parce que Brock était pas considéré comme un véritable allié qui me permettait d'être résurrecté. On a d'autres trucs à se raconter. Donc, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Dalida qui dit « Je me suis découvert une nouvelle passion, le cosplay. » Trop bien. Ça, c'est vraiment trop stylé, le cosplay.
qu'on descend. Je ne le pratique pas, mais je trouve ça sympa. Je vais vous mettre ces portes en état de marche. J'espère que Sindri sera encore en vie quand Brock en aura terminé avec lui. Ces deux-là s'entendent déjà comme chien et chat en temps normal. Ok, bah du coup... Ah, ils sont plus là, les habitants. Où sont-ils passés ? Tu as un instant ? Oh bordel ! Incroyable ! D'un père à l'autre. Ok. Et à ce propos, imagine ma surprise quand Atreus est venu toquer à ma porte. Il va très bien, rassure-toi. Et il ne lui arrivera rien du moment que... je retourne à Asgard prochainement. Ah ça, je m'y attendais pas, putain. Et puis, notre ami ici présent a de bonnes raisons de vivre. C'est discutable. Tu peux partir, mais ne fais pas de bêtises. Une lance. Je n'ai jamais aimé Brock. Mais je dois admettre qu'il a du talent. Tu voulais parler ? Parle. Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos ? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Je veux la paix tout autant que toi. Peut-être peut-on la trouver ensemble. Il te ment. Je sais. Notre garçon, ton Atreus, il est tel que je l'espérais. Très intelligent. Bon. C'est vraiment le tien ? Je plaisante. Tu as toutes les raisons d'être fier de lui. Il est la clé de la paix de notre ère, celle qui nous libérera du destin et de la prophétie. Mon fils n'est pas une clé. Bon sang, on ne pratique pas la métaphore sur ta terre. Le contraire m'aurait étonné. Oh, désolé, ce n'est pas gentil. Je sais que tu n'es plus le dieu que tu étais. Et à présent, tu as une chance de le prouver. Rends-moi mon fils, ou tu retrouveras le dieu que j'étais. Et de quel genre de dieu s'agit-il, Kratos ? Que prétends-tu savoir de la divinité ? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré ? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié ? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour ? Non ! Tu te contrefiches des mortels. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. J'ignore ce qu'il dit, mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Ce chien prétentieux, il a osé se montrer ici. Au moins, tu l'as secoué autant qu'il t'a secoué. Bordel. Oh, bordel. C'est fou. Les interactions dans ce jeu sont à chaque fois folles. La dynamique entre les personnages a été tellement bien construite que putain, ça secoue en fait. Je m'attendais tellement pas à voir Odin venir parler avec Kratos et waouh. Mais ouais, que dire. Que dire ? On peut rien dire. Te voilà ! Voyons ce que Brock a forgé pour toi. Tiens, Ah!
Il en arrive par l'arrière. Ah ouais, du coup j'ai du Bifrost pour me battre. Trop bien. Attention, frère, tu es couvert de Bifrost. L'arme est donc une lance Dropnir ? La lance Dropnir. Eh bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu. Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non ? Cela te fait-il peur ? D'aider un autre dieu brutal ? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre. LA guerre. Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Ouais, en tout cas, épisode de fou. Hein. La création de la lance, nouvelle arme. On est parti pour du très très lourd pour la suite. La discussion entre Odin et Kratos qui n'annonce que de la confrontation, hein. Mais c'est fou parce que depuis le début du jeu, Odin, quand on le voit, il a l'air tellement sympa, il a l'air de tellement vouloir les bonnes choses, il veut la paix, il veut pas avoir de problème, il veut chercher la solution, il veut sauver le monde. Tandis que tout ce que les gens disent, que ça soit les civils, que ça soit Mimir, que ça soit Freya, que ça soit les Brock et Sindri, mais tout le monde dit que Odin est le pire de tous les fils de pute. Et cette dissonance entre ce qu'on voit et ce qu'on nous dit, elle me détruit, parce que, putain, je ne sais pas quoi penser. Mais du coup, j'avoue que je tends bien plus vers les dires de nos amis que vers ce que Odin nous montre. D'ailleurs, la relation qu'il a avec son fils et le comportement de son fils trahit un peu l'image qu'il a envie de nous donner. Mais c'est juste incroyable et je suis impatient de voir la suite. Donc dans le prochain épisode, nous allons commencer par retourner dans Midgard et dans le royaume des nains, histoire de voir ces accès qu'on peut désormais atteindre grâce à la lance. Et puis après, nous continuerons l'histoire principale. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Ça m'a fait très plaisir de le tourner. J'ai passé un super bon moment. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure. Je vais enchaîner directement avec l'enregistrement du prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. À vous abonner sur YouTube et Twitch pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains lives que je ferai. À aller voir dans les liens dans la description si ça vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. C'était Corbel. Out.